secondaire, j'étais gênée, là, mais j'étais une fille gênée. Tu sais, il fallait faire des oraux, là, puis écoute, c'était simple dans le temps, parce que t'avais tout écrit sur une petite feuille que t'avais dans tes mains de même, fallait juste que tu la lises devant la classe. J'en perdais mes jambes, j'en avais des boules d'estomac, je mangeais pas. Écoute, moi, c'était pas mon affaire, puis jamais dans la vie, j'aurais pensé un jour, comme être sur un stage, devant 200 professionnels, pas de feuilles dans les mains, à juste faire connaître mon savoir. Fait que là, aujourd'hui, on est au Cabaret C à Laval parce que j'ai été invitée à faire une conférence sur... le titre de la conférence, c'est « Closer à coup sûr ». Donc, sur comment je fais pour closer des rendez-vous d'évaluation, comment je fais pour closer, comment je fais pour être une maudite bonne vendeuse en tant que courtier immobilier. Fait que je m'en vais là, leur donner plein de trucs, puis leur expliquer qu'est-ce que moi, je fais de différent des autres pour avoir des résultats différents 10 fois plus fort que la moyenne. Moi, je suis courtier depuis 2015. Tu veux savoir s'il y a des attentes vraiment, vraiment déraisonnables? Tu veux savoir s'il pense que sa maison vaut moins cher? Tu veux savoir s'il est juste? Ça va tout changer dans ton rendez-vous. Bien, justement, il faut insister sur le prix. Faut le redemander, puis il y a des petites phrases de fun. C'est sûr qu'il faut être agréable avec le client, pas le trinquer, puis essayer, tu sais, il faut être doux, il faut être gentil, mais bien apporté. Puis si vous dites des phrases du genre, c'est sûr que je comprends que vous m'engagez pour évaluer votre propriété. Moi, c'est sûr, peu importe ce que vous allez me répondre, je vais vous dire combien de cadeaux, mais je suis curieuse, tu sais. On se dit les vraies affaires. On a tout le temps des petites attentes par rapport à une maison, par rapport à la valeur d'une maison. Ils vont dire, ben oui, ils vont te le dire. C'est pas vrai qu'un propriétaire de maison n'a pas au moins une petite idée ou des petites attentes par rapport à sa valeur. Ils savent tout, ils veulent juste pas vous dire. Fait qu'insister doucement. Ça, c'est la question que les gens osent le moins demander, à ma connaissance. Même moi, ça m'a pris vraiment, vraiment, vraiment du temps avant de d'oser aller plus loin. On veut savoir s'ils rencontrent d'autres courtiers. Je ne demandais pas moi avant. Puis j'arrivais à un rendez-vous, j'étais prête à signer, tout allait super bien, on s'entendait sur les chiffres, sur la commission, tout était parfait. Puis elle disait, ouais, mais ça, je rencontre un autre courtier demain. Je ne le savais pas. T'sais? Ça change absolument tout. Fait que demandez-le, puis osez même demander c'est qui. Moi, je le fais. Aujourd'hui, je le demande. Je demande s'ils veulent rencontrer un autre courtier. Puis s'ils me disent oui, 100% du temps, s'ils en rencontrent d'autres en passant, ils vont vous dire. Presque tout le temps. Après ça, je leur demande, oh, par curiosité, juste pour savoir un petit peu à qui j'ai affaire, c'est qui que vous rencontrez? Pour savoir un petit juste à la blague, hein, pour savoir c'est qui ma compétition. Ça, je vous le jure, 50% du temps, ils vont vous dire c'est qui. Est-ce que ça change de quoi si vous allez au rendez-vous puis vous savez c'est qui votre compétition? Ça change absolument tout dans votre préparation, dans ce que vous allez lui dire quand vous allez inscrire la propriété. Écoute, moi, ma compétition, dans le coin où je travaille, je la connais. Je sais quoi dire quand je suis en rendez-vous contre une telle personne. Puis honnêtement, ben, ça marche presque tout le temps parce que moi, je me suis préparée. Puis l'autre courtier qui rencontre, lui, ne le savait pas qu'il m'a rencontré moi. Ça change tout. Vous savez, lors d'une rencontre, moi, j'aime tout le temps être très préparée. C'est pour ça que j'avais l'appel avec vous aujourd'hui. Je veux savoir si je dois préparer les documents nécessaires pour mettre la maison à vendre. Fait que, admettons que tout va bien. Là, si on s'entend sur le prix, si on s'entend sur la commission, sur les conditions de vente, est-ce que ça vaut la peine que je prépare les papiers? Parce que si vous êtes prêts, là, on pourrait aller de l'avant lors de notre rendez-vous. C'est-tu pas dit d'une façon douce, ça? C'est bien dit, c'est pas choquant. Et ce que ça fait dans la tête de ton client comme effet, c'est qu'il dit « Ah, t'as pas peur, ok, attends. Elle s'en vient chez nous demain pour mettre ma maison à vendre. Oui, je viens pas juste te dire un prix, là. » Fait que ça prépare la personne mentalement. Quelqu'un qui se serait dit « Oh non, moi, je signe pas le premier rendez-vous. » Non, il y en a beaucoup qui disent ça, on est d'accord. Ben, ils vont cheminer tout le long de la nuit. Ils vont dire « Ah, elle nous a demandé si on était prêt à signer les documents, si ça. » Ils vont en parler ensemble. « Hey, demain, si ça va bien, la rencontre, on est-tu prêt à la mettre la maison à vendre? » Juste de poser cette phrase-là va faire énormément cheminer le client dans sa tête. Vous avez même pas idée. Et ça vaut, il faut la poser. Je vous le dis, ça fait toute la différence. Puis, signer des rendez-vous en un rendez-vous au lieu de deux rendez-vous, si vous commencez à faire ça, je vous dis, ça va augmenter de façon significative. Qui a... Tu sais, c'est correct s'il y a en deux rendez-vous, là, je le fais souvent. On s'entend que j'aime mieux quand ça se fait tout de suite, là. C'est qui a du temps? On parle de temps, là, on n'en a tout pas, puis on peut tout pas se diviser en deux. Qui dans vous, là, aimerait augmenter le nombre de fois que vous signez en un rendez-vous au lieu d'en deux rendez-vous?
J'espère tout le monde. Quand tu retournes une deuxième fois, tu refais l'arbre, tu revois la maison, tu leur reparles, tu leur jases de ça. Fait que tu fais tout le processus une deuxième fois juste parce que tu n'avais pas posé, tu n'avais pas pris 5 minutes pour poser les bonnes questions avant, pour les préparer à signer tout de suite. Fait que ça, je vous dis, si vous faites ça, tu veux régler le prix et les frais en premier. Moi, là, en ce moment, je dis ce que je fais, puis je n'ai pas parlé de qu'est-ce que Martine a à faire pour toi, qu'est-ce que la bannière fait pour toi, qu'est-ce je vais te faire des fameux, je vais te faire des photos, Via Capital, ça fait ci, Via Capital, ça fait ça. J'ai rien dit de ça encore. Je règle tout le temps le prix et les frais en premier. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, je suis du genre à aller direct au but, hein, mais le client aussi, il veut être direct au but. Ça ne tente pas de savoir en premier les protections à gauche, les protections à droite. Non, non. Ça, il va vouloir que tu en parles s'il a pris la décision de s'entraider de faire affaire avec toi. Il veut que tu lui dises le mot prix. Fait qu'on règle le prix, puis après ça, on règle les frais. Puis je mets clair sur une feuille. Qui ose lui demander? Êtes-vous prêt à vendre? J'ai pas parlé de moi, j'ai pas parlé de ma bannière. Plus que 25, moins que 50. Entre ce 25 et 50 % du temps, je vous le jure, les gens vont dire « Oui, let's go! » Mais... OK! Je vous le jure, là! Si vous allez au McDonald's et que vous ne passez pas la commande, vous ne dites pas que vous voulez un burger, vous ne dites pas que vous voulez un trio Big Mac, vous ne le dites pas, est-ce que vous allez le recevoir, votre trio Big Mac? Clairement pas. Si vous ne passez pas la commande de signer un contrat de courtage, là, est-ce que vous allez l'avoir, la signature? Clairement pas. C'est pas que je viens de me dire, ben ça, on a ton contrat, on va le signer. C'est pas lui qui va vous dire ça, là. Passez la commande. Après ça, bon, ça arrive pas tout le temps, malheureusement. Faut être à l'écoute du client et comprendre c'est quoi les objections potentielles. Fait qu'il faut aborder leurs objections, leurs inquiétudes, puis les éliminer, c'est sûr, au fur et à mesure. Je vais le faire passer. L'objection la plus difficile pour moi, moi, celle que je rencontre le plus, puis je vais vous donner un truc par rapport à ça, parce que je pense que personne ne fait ça. Moi, je le fais. Parce que les objections de proprio, d'expiré, tout ça, là, on les connaît, là. C'est « je veux trouver ma maison avant de mettre ma propriété à vendre. » Hey, tough, celle-là. OK, c'est ça. On va pas avec le listing. Il faut y en trouver une. Closing, c'est super important. Vous ne pouvez pas du tout quitter un rendez-vous d'inscription, soit avec une signature, ou soit s'en prendre un autre rendez-vous. Ce que tu veux, c'est la signature le plus possible. Puis si tu n'as pas ta signature, tu veux un rendez-vous. Un rendez-vous comment? Soit souvent un rendez-vous téléphonique. Moi, je leur demande poliment. Je dis, c'est très important pour moi et mon équipe de faire des suivis avec nos clients. Vous avez à peu près besoin de combien de temps pour y réfléchir? Ils vont dire la fin de semaine. Je dis, parfait. Si je vous rappelle lundi à 2h, êtes-vous disponible? Oui, parfait, on est disponible. Le rendez-vous est pris. Tu es sur la coche, tu fais tes suivis, puis tu as créé une relation dans le futur avec ton client. Mais ce que j'aime encore plus, c'est prendre un vrai rendez-vous physique avec lui. Avant de proposer un rendez-vous téléphonique, je vais souvent le proposer. Si jamais la décision, c'est de oui, aller de l'avant, moi, je serai disponible, je sais qu'ils sont disponibles le soir, ça, je serai disponible lundi soir pour revenir vous voir puis aller de l'avant. Est-ce que c'est trop tôt pour vous ou ça convient? Quand les clients, ils disent, oh, je veux juste en parler, tiens, nous, on prend pas de décision sur le spot, là, tiens, on veut s'en parler, on signe jamais la première fois. Okay. Mais tu le sais qu'ils veulent vendre. Tu le sais qu'ils veulent vendre, tu le sais qu'ils veulent juste se parler, puis c'est juste que tu es là, puis sont gênés, là. Moi, quand je ressens ça, c'est sûr que vous pouvez tout le ressentir. Là. On voit assez de monde. Tu le ressens quand ils manquent juste une petite affaire, ils ont juste besoin de se parler sur l'oreiller ce soir-là. Moi, je leur dis, savez-vous quoi? Ça vous va-tu si je vais dans mon auto? Je vois mon téléphone, j'ai plein d'appels à retourner. Je vais aller dans mon auto en 15 minutes, discuter ensemble, puis je reviens voir si ça vous tente d'aller de l'avant. Je vous le jure, encore une fois, quand je pose cette question-là, 50 % du temps, ils disent, ah, oh, ben regarde, ben oui. C'est correct, laisse-nous juste jaser un petit peu pour t'envoyer un texto quand on a fini de parler tous les soirs en train d'œil. Ça marche! Mais c'est parce que, tu sais, quand je disais au début que vous n'osez pas poser des questions, là, vous n'osez pas juste poser cette simple question-là. Je vais aller vous attendre dans le char, puis je ressors. Je ressors plus tard. Ils veulent juste se parler. « Mais toi, ça fait-tu son affaire? »« Ah oh, oui, moi, ça fait mon affaire. »« OK, ben moi aussi. »« OK, bon, il dit de revenir. » C'est con, même. Lui, c'est mon préféré. Le lendemain. Vous n'allez jamais, 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 jamais en faire trop. Le 10X que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, là, en faire 10 fois plus que les autres, là, qui, le lendemain d'un rendez-vous d'inscription qu'il n'a pas signé, ose prendre un 30 secondes
pour lui envoyer un texto. Hey, merci beaucoup de m'avoir rencontré hier. Vous avez une super belle propriété. Souvent, les clients ont des questions suite à la rencontre. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Sinon, aucun souci, je vous rappelle mardi prochain comme convenu. Puis on va se faire ça. Ah, oh, OK, parfait. La majorité des gens ne le font pas. La majorité des courtiers ne le font pas. Vous n'allez jamais en faire trop. De faire un suivi le lendemain montre que vous avez un intérêt pour le client. Vous avez un intérêt à vendre sa propriété, puis il va vous dire, tabarouette, il est bien sur la coche, lui, de juste penser à moi pour envoyer un petit texto pour savoir si j'ai d'autres questions pour lui. Est-ce qu'il y a un client qui va dire, ah, c'est bien trop, il abuse, je ne l'engage pas? Personne ne va vous dire ça. Le lendemain, c'est full important, puis ça prend 30 secondes. Puis après ça, ben, c'est sûr, hein, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, il faut prendre un rendez-vous pour la suite, puis n'oubliez pas de faire votre suivi. C'est tout! Ah! Ça coche. J'ai la bouche panteuse. Ça coche. Non, c'est bon. Je suis contente. Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'était vraiment hard pour vrai. J'avais pas l'attente. Je me suis pas fait d'attente. Mais oui, ça s'est bien passé. Je suis contente. Je pense que le message est passé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Les points importants sont sortis. En espérant avoir aidé beaucoup de courtiers immobiliers à faire plus de ventes et signer plus de contrats. La partie la plus challengeante de ta conférence, c'était de mettre le micro. Oh, Spring! Hey, on en parle-tu de la mise de mon micro? Hey, le pire, c'est que, attends, je suis là dans la salle de bain. J'essaie de mettre mon micro. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est parce qu'il m'appelle. Je peux pas être là sur le genre la chanson thème de mon entrée. Là, on s'entend-tu? J'arrive avec le micro, les cheveux de même, genre. La présentatrice, elle arrive, elle dit « Attends, Martine, c'est parce que t'as tous les cheveux en l'air. » C'était fucking drôle. C'était débile, en tout cas, regarde, ça fait rire. On va se faire plaisir un petit peu. Un petit peu, toi. J'ai jamais commandé du vin chez Calvi. J'en ai pris pas mal, mais j'en ai jamais commandé. Parce que je me laisse tout le temps guider, conseiller. Luc connaît sa cave, ses produits, puis tout ça. Puis avec le temps, en plus, il connaît le goût de ses clients. Est-ce que ça passe le test? C'est sûr que oui. C'est exactement ce qu'il avait décrit. Fait que, à ta santé. À ta santé. Merci à de ton invitation. Ça me fait plaisir. Puis à ta retraite, essentiellement, c'est la raison pour laquelle on est là ici. On veut en parler un petit peu. Ouais. Puis expliquer aux gens là, ton parcours, comment tu vois Via Capital pour le futur. OK. Puis c'est un beau nouveau départ pour toi. Fait qu'il y a deux semaines, c'était le congrès Via Capital à Charlevoix. Puis lors de notre dernier congrès, Luc nous a annoncé qu'il allait prendre sa retraite comme président de chez Via Capital. Puis là, moi, je voulais pas le manquer. Fait que j'ai écrit la semaine passée pour lui dire, je veux absolument faire un vlog avec toi. Ouais. Je veux qu'on parle. Je veux te faire répondre à des questions qui pourraient vraiment intéresser plusieurs courtiers immobiliers chez Via Capital, mais aussi dans les autres bannières. Okay. Fait que là, je t'ai avec moi aujourd'hui. Là, Luc, c'est peut-être pas tout le monde qui nous écoute qui te connaisse. Okay. Fait que explique-nous, t'es qui, c'est quoi tes responsabilités chez Via Capital, puis c'est quoi que t'as fait, qu'est-ce que t'as accompli? Regarde, moi, je suis pas gêné de le dire, là. Je prends ma retraite à 67 ans. J'étais un papa, un grand papa. Puis ça, c'est l'affaire la plus importante, la famille. Je voulais être un artiste. Puis je me suis même inscrit aux Beaux-Arts, mais mon père voulait pas. Okay. Ça je viens d'une ailleurs. Époque, non, c'est ça. Alors, je me suis ramassé à la faculté de droit. Okay. J'ai gradué de l'Université d'Ottawa en 1979. Parfait. Mais je voulais pas faire un avocat. Ça m'intéressait pas. Puis j'ai rencontré un gars qui s'appelle Pierre Titley de Titley Real Estate d'Ottawa. Et j'ai rencontré, j'étais stagiaire. Puis on a fondé une petite affaire qui s'appelle Remax Québec. Puis on sait tous que Remax Québec est devenu c'est un monstre. On s'entend. C'est ça. Puis vers la fin des années 80, Pierre et moi, on n'avait plus la même vision. On s'est séparés. Puis un autre personnage de l'histoire du courtage au Québec qui s'appelle Paul Legault, qui est devenu une deuxième famille parce que ses enfants m'appellent Monon. Et on a travaillé ensemble puis on a fondé La Capitale. Fait que, tu sais, La Capitale vendue, capitalevendue.com. Wow! Notre agent a mis notre maison sur Internet. Puis l'adresse aussi. Il y a pratiquement juste La Capitale qui fait ça. Tiens, on a déjà des visiteurs. Avec les garanties que l'agent de La Capitale offre, on va la vendre rapidement. La Capitale vendue, La Capitale vendue. .com. Moi, j'étais dans le studio puis je me disais, voyons donc.
film. On t'a pas fait compétition à Oui, papa, le roi du star. Là. Pour les plus vieux là, qui se souviennent de ça. Venez au bon marché. Oui, papa. Ça a été la capitale. Ça a été vendu en fin 2007. Pour devenir Via Capital. Ouais, c'est devenu Via Capital, la propriété de Brookfield. Et là, j'ai pris une première retraite, mais j'étais bien trop jeune. Fait que j'ai été faire du courtage. Je dis, on va en faire juste un petit peu. Fait qu'en 9 ans, j'ai inscrit plus que 1000 propriétés. Quand même, là, tu sais, c'est... Grâce à ma femme, oui, parce que moi, la paperasse, pas trop, mais elle, c'était une archéologue de formation. Fait que vous faisiez ça ensemble. Oui, c'est ça. Et puis, en 2017, ben, Brookfield m'a appelé en 2017. Voulez-vous-tu revenir comme président? J'ai besoin de on aimerait ça. Ça fait que ça devait durer 3 ans. Ça fait 6 et demi, c'est assez, je suis fatigué. Parfait. Fait que pour en ce moment, dans les dernières années, tu as été président chez Via Capital. Exact. Puis, comme j'ai annoncé au début du vlog, il a annoncé sa retraite qui va être effective à la fin de l'année, là, dans le fond. À la fin de l'année, ma succession va être effective et opérationnelle à la fin de l'année. Je vais assurer une transition pendant à peu près 6 mois. Après, on verra. Là. J'ai toutes sortes d'offres de consultants, mais là, je me cherche un job à 2 jours par semaine, 30 semaines par année. Parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants. Je veux jouer au golf avec mon petit-fils. Les priorités changent. C'est ça. Puis c'est un nouveau commencement. Exact. Donc, Luc. Ouais. Tu as été chez Via Capital pendant plus que 25 ans, ouais. Quand même. C'est en fait, si on compte mes années de courtier, c'est tout près de 34 ans. Moi, je suis curieuse de savoir, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule, de savoir c'est quoi que... Tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus fier chez Via Capital? Qu'est-ce que tu le chéris de même? À chaque fois que tu y penses, tu es fébrile, puis tu j'en donnes des frissons. J'en ai deux. Je peux pas dire j'en ai deux. Les deux choses. Parce qu'ils sont égales. On est la première compagnie qui avons introduit un régime de protection domiciliaire. Aujourd'hui, on appelle ça de même, puis c'est bien, tu sais. On devient plus raffiné, hein? L'évolution, c'est le raffinement, des fois. Ouais. Pas nécessairement des nouvelles inventions. Alors, aujourd'hui, on appelle ça des régimes de protection domiciliaire. Ça paraît bien. Mais quand on a commencé, on appelait ça de la garantie APEC. C'était moins sexy, mais c'était clair. Garantie APEC, c'est tu fais affaire avec un agent. Parce qu'à cette époque-là, c'était des agents. Un agent de la capitale, ouais. Vendu.com, puis ta maison, la plomberie, l'électricité, le chauffage, les appareils électroménagers inclus, acronyme APEC, c'est garanti pour l'année qui suit l'achat. Exact. Que tu pars chez le notaire. Et c'est sans frais. Les seuls et les premiers. Les seuls et les premiers. Ça, c'est une réalisation d'abord d'équipe, là, parce qu'il y a une immense équipe. J'ai des actuaires qui ont travaillé là-dessus. J'ai un paquet de monde. Puis je m'étais inspiré de ce qui se faisait en Californie puis en Illinois. Okay. Et ça, c'est ma première. Encore aujourd'hui, moi, je pense à APEC. J'étais encore excité. Okay. C'était excellent parce qu'après ça, tout le monde a suivi puis a offert la même. Ah, bien. On s'entend que c'est. Mais je te dirais qu'après 3 ans, je me disais, il n'y a personne qui nous émette. Peut-être que c'est pas si bon que ça. Puis là, il m'allait pas dingue. Fait que Remax est arrivé avec tranquillité, Royal Lepage avec la protection royale. J'étais quasiment content qu'il le fasse parce que ça confirmait. C'est ça. Important. Et la deuxième, c'est www.lacapitalevendu.com, le premier site web, 95. Puis c'est comme la course à l'espace entre les Russes et les Américains parce que on était les premiers au Québec qui avons eu un site web commercial où tu voyais les propriétés, l'adresse puis le prix demandé. Parce qu'avant... C'était dans les bottins. Bien, avant, c'était dans les bottins. J'ai pas connu ça. Puis quand tu voyais les annonces dans le journal, là, on était des champions de l'abréviation parce que on changeait la ligne à gâte, hein, les journaux, les médias. Alors, beau bon, chamédé, pas cher, rénové. Si tu voulais savoir l'adresse puis le prix, il fallait que tu appelles l'agent. Oh oui. Moi, j'arrive puis je dis, j'ai fait un congrès à Chicago. Puis là, ça nous prend, et c'est moi qui ai été nommé, parce que personne ne voulait s'occuper de ça. C'est nouveau pour tout le monde. Ben oui, Paul Legault, il dit, ça va, il y a une nouvelle affaire, là, c'est l'Internet. Ouais. Ça, c'est sur le computer, là. Là, il a dit à tout le monde, il dit, là, il faudrait qu'un des cadres s'en occupe. Là, tout le monde se regardait le bout des souliers parce que tout le monde s'est dit, ça va coûter des millions, cette affaire-là. Ouais. C'est une mode, ça ne marchera pas, puis le gars-là qui va avoir engouffré des sommes colossales, il va se faire sacrer dehors ça quand on va être au gant. C'est compliqué qu'aller sur la lune. C'est ça. Fait que j'ai été nommé volontaire. Et puis, j'ai fait des congrès, des affaires pour savoir comment ça marchait. J'avais aucune idée. On a sorti ça, puis là, il a fallu que je convainque des centaines et des centaines de personnes à travers le Québec, des courtiers immobiliers, disaient, là, il va falloir publier l'adresse et le prix. Ah, parce que c'était des informations privées comme si... Non, non, mais c'est parce qu'avant, les gens étaient obligés d'appeler l'agent. Fait que c'est le contact qui était plus facile. Écoute, ça venait me chercher dans le stationnement. Ouais. Là, Luc, là, tu vas jeter le courtage immobilier à terre. Il y en a qui étaient menaçants. Ouais. Tu sais, ils me parlaient proche du nez. Là. C'était un gros changement pour l'industrie. Là. Ah oui, il y en a qui... Ben, c'est ça. Tu peux t'imaginer? OK, on a fait un hit. On a 3 semaines après, Remax sort le sien. Ça veut dire qu'il... Eux autres aussi, ils travaillaient dessus. Oh oui. Mais c'est comme les Russes, tu sais. On a fait décoller la fusée, nous autres, comme 3 semaines avant. Tout de suite. C'est ça la grosse différence. Regarde si l'assiette est bien présentée. Fantastique.
On a commencé ça avec la première version Windows 3.11. Mais il faut comprendre que les photos dans le Node, là, de même. J'en doute pas. Quand je regarde la page d'accueil, on l'a encore, la page d'accueil, écoute, moi j'appelais ça le village de Nathalie, parce que Nathalie Simard avait une émission en télévision, ça s'appelait le village de Nathalie. La page d'accueil ressemblait à ça. Il y avait une banque, fait que si tu voulais du financement, tu cliquais là-dessus. Il y avait une école, je sais pas pourquoi. C'était basic, je l'imagine. Ah non, c'était incroyable. Incroyable. Fait qu'en 95, c'était l'arrivée de l'Internet. Ouais. Là, tu penses que dans les prochaines années, c'est l'arrivée de quoi? C'est le seul regret que j'ai de prendre ma retraite. J'en ai juste un, c'est que je ne serai pas un acteur là-dedans. Ouais. Mais il faut que je la prenne. J'ai eu des accidents. Oui, oui, oui. Et puis la santé aussi. J'ai eu quelques épreuves sur le plan de la santé dans les dernières années. C'est l'intelligence artificielle. T'sais, on commence à être là-dedans. Là, incroyable. Goldman Sachs a sorti une étude, puis tu sais, je veux dire, c'est des banquiers, puis c'est des visionnaires. Etc. Ils sont arrivés à dire qu'il y a 300 millions de travailleurs qui vont être affectés dans les 60 prochains mois par l'intelligence artificielle, plus ou moins. Le choix qu'on a à faire aujourd'hui, comme courtier immobilier, c'est de dire, est-ce que je vois les opportunités? Parce que, comme courtier, là, moi, je peux me dire, waouh, l'intelligence artificielle, là, grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir me concentrer sur deux choses. Ouais. Le temps de qualité à accompagner mon client dans une expérience client. Puis, il y a peut-être une économie de temps là-dedans que je vais pouvoir bénéficier pour ma vie personnelle. Pour, ou je peux dire, à cause de l'intelligence artificielle, ça va foutre le canter. Mais ça, c'est comme les gars, les filles qui me disaient en 95, hey, tu vas annoncer l'adresse de la propriété puis le prix, le monde ne nous appellera plus. Hey, voyons donc, on est passé de 9800 courtiers à 18 000. Ouais. ChatGPT va rédiger les promesses d'achat. Le service client va toujours être important. Il va être plus fondamental. Plus fondamental, mais le courtier immobilier, dans sa façon pratiquée, va dépendre de l'intelligence artificielle puis va être performant en fonction de ce qu'il utilise ou n'utilise pas. Donc, le courtier, s'il met l'intelligence artificielle à son service, il va rentrer dans un âge d'or. C'est exact. Ça que je regrette en prenant ma retraite. Moi, j'ai hâte d'être j'ai hâte que ça soit, ben que oui, ça mais... puisse m'apporter encore plus. Attends une minute, là. T'es Martine Demers, ouais. T'es une vlogueuse. Ouais. T'as déjà, t'es mis, ouais. T'as plus mis, plus que les orteils, là. T'sais, t'es rentrée dedans. Et... Moi, je sais que ça va m'amener plus loin. Là. Plus loin? Ouais, c'est pas au prochain niveau, ouais. Tu t'en vas à 4 niveaux plus loin. Puis je le vois. Ouais. Puis je le sais que ça fait peur à d'autres courtiers qui, eux, ne seront pas capables de l'utiliser adéquatement. T'sais? Fait que ça va tout changer, la gang. Fait que là, Luc, il y a plusieurs courtiers qui nous écoutent. Okay. Moi, je veux savoir, selon Luc Poupard, c'est quoi un bon courtier immobilier? C'est quelqu'un qui se nourrit, entrer en relation d'aide avec les gens. Des fois, les gens me demandaient, moi, quand je faisais du courtage, si vous faites d'envie, j'aimais pas ça de dire, moi, je suis agent ou courtier. Moi, je disais, moi, je suis un aidant professionnel. Tu sais quoi que moi, je dis? Qu'est-ce moi, dis? Je suis là pour résoudre vos problèmes. Ben, on dit la même ça affaire. Ça veut dire la même affaire. C'est ça. Tu comprends? Moi, puis c'est vraiment ça que je réponds. Ben, demande, c'était vraiment ça. Moi, il me regardait, t'es un aidant professionnel. Écoute, si je faisais du courtage dans un village, j'étais grand chevalier, les chevaliers de colon, on n'arrêtait pas d'aider le monde. Ouais. C'était comme une continuité. On est là pour aider le monde. C'est ça. Fait que là, que je te pose deux questions, on joue un petit jeu. OK. Faut que tu complètes ma phrase. Est-ce que je gagne quelque chose? Non. Les courtiers accordent trop d'importance à leur image. Et les courtiers accordent pas assez d'importance à leur image. Oh, OK. Trop et pas assez. Tu sais, moi, je t'ai dit qu'un bon courtier, là, c'est quelqu'un qui se nourrit à entrer en relation d'aide. Oui. Mais il faut que les gens aient envie d'appeler ce courtier-là ou toi à l'aide. Bien, il faut vivre de notre époque. C'est... L'image est importante. Vraiment. OK? Mais quand on met toute l'importance juste sur l'image, bien là, les gens vont croire que tu n'es pas là pour entrer en relation d'aide avec eux, mais pour t'aider toi-même, oui. Tu sais. C'est l'équilibre. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, il y a 43 ans, je me disais, mon plus grand défi, c'est de rester au centre. Après 43 ans, mon plus grand défi, c'est rester au centre. C'est quoi pour toi un courtier immobilier qui garde justement cet équilibre-là? Bien, c'est exactement ça, c'est d'avoir des bonnes valeurs. Fais de l'empathie, OK? Avant d'engager, de retenir les services d'un courtier immobilier, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas rechercher? Qu'est-ce qui va te faire décrocher? Alors, regarde la jeune femme qui est venue nous voir puis qui nous a servi ici au Calvi, là. OK. La première affaire qui nous saute au visage, là, elle aime ce qu'elle fait. Ça donne le goût de l'aimer. Tu peux pas faire autrement que l'aimer. Elle aime ce qu'elle fait, puis elle le fait avec passion, elle le fait avec humour, puis elle est là pour dire, moi, là, aujourd'hui, je veux que vous sortiez d'ici, puis vous dites, ah, ça a-tu été plaisant, tu sais, au Calvi aujourd'hui, puis tout ça. C'est la même chose avec un courtier immobilier. Ouais, ouais, les connaissances, là, en passant, là, l'intelligence artificielle va les fournir de A à Z. C'est important de rester soi-même. Si tu es bon dans ce que tu fais, si tu es amoureux ou amoureuse de ce que tu fais, l'argent, ça vient tout seul.
Ça vient de ça, là, t'en es même surpris, madame. Bon, voilà, OK. Mais le fondamental, c'est de se lever le matin et de dire, ah, mon Dieu, j'aime ma vie. C'est ça qui est important. Bien, aimer sa vie, là, bon, c'est de faire attention à soi, puis faire attention à sa santé, faire attention au monde qu'on aime autour de nous autres, faire attention à nos clients. Moi, je trippe encore de recevoir un téléphone. Je suis président de la compagnie, je reçois des téléphones de courtiers qui me disent, là, j'ai un problème avec mon client, puis voulez-vous m'aider? Ouais. Ben oui, ça me tente de t'aider. À part ça, de toute façon, la manière que tu le demandes, là, si tu le demandes de la bonne façon, on va toujours dire oui. Ça va dire oui. Je suis juste un petit peu fatigué. Je suis rendu dans le temps où je vais m'occuper des miens puis de mes amis. T'es prêt à céder les rêves. Ouais, puis je pense que c'est important de céder. À un moment donné, c'est important de dire c'est le temps-là. Il faut que je m'en aille. En parlant de ça, il y a une question qui me brûle. Ouais, je savais. Qui est-ce qui va te remplacer? J'ai pas le droit de te le dire. Mais. Merde, j'ai pas réussi à avoir la réponse. Mais bon, c'est pas grave. Ça va arriver très bientôt. Oui. Ça va être dans le temps des fêtes. J'ai hâte de savoir. D'après moi, tu vas être dans les premières. J'en doute pas, j'espère. Mais là, j'aimerais ça terminer en te demandant le qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta retraite. Honnêtement, là? Oui. De l'amour. Oh. Ben ça, oui, je t'en donne beaucoup. Puis t'en donne déjà beaucoup. Et je t'en donne encore. J'en ai beaucoup, puis j'en ai à donner. Puis si j'ai de la santé, ben ça va me permettre d'en donner encore plus. Ouais. Peut-être redonner. Moi, je crois à ça. Redonner. Je suis impliqué dans une école, comme tu le sais, pour les gens qui veulent devenir courtier. Oui. Alors, à l'occasion, j'enseigne, c'est ça. Je trouve ça le fun. Ça fait que si la santé me le permet, je vais le faire. Je le fais avec Joël. Oui. Joël Charron, que les gens connaissent. Oui. Puis, le reste, là, tu sais. Profiter de la vie. C'est ça. Puis, moi, profiter de la vie, là, c'est d'être capable de. Quand je suis au Canada, quand tu fais beau ici. Oui. Sinon, c'est l'eau bas. Comme moi. C'est ça. Non. Mais quand je suis chez nous, parce que bon, mon origine, c'est le Québec, c'est de pouvoir prendre mon auto, puis aller faire des tours, puis aller au Saguenay, puis leur dire comment ça va, puis ils sont contents, puis je suis content de les voir, puis un peu partout, puis... De garder contact. Garder contact, temps c'est ça. De continuer à voir ça évoluer, puis, mais... Puis regarder ceux qui prennent la relève, comme toi, d'ailleurs. Ouais. OK? Puis qui vont faire mieux que nous autres. Je suis sûr. Je suis convaincu que vous allez faire mieux. Sais-tu quoi? Que nous autres. J'ai hâte que tu reviennes nous voir dans 5 ans. Enfin, j'ai pas besoin de dire 10 ans. Non. Tu sais, juste en 5 ans, je pense. 10 ans, pour moi, c'est un gros défi. Mais 5 ans, c'est le pas. Dans 5 ans, là, puis dire, hein, à quel point. Garde ce qu'on est. Ouais. Garde ce qu'on a fait. Ouais, moi, j'ai eu deux grands profs, là, Pierre Titley, Paul Legault. Puis c'est tout du monde qui ont fait des choses fantastiques. Puis je pense que j'ai contribué à ça. Mais je pense que vous allez faire mieux. Puis je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Merci. C'est beau. Merci d'avoir accepté là, de venir. Ça m'a fait plaisir. Puis, merci d'être venu au Calvi parce que. C'est très bon. Non seulement c'est ma deuxième maison, mais ça m'a donné encore une excuse pour revenir prendre un bon verre de vin. Et de la bonne chair. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on va y aller un petit peu plus mollo. J'ai un avant-midi assez léger. Il faut que j'aille chercher des décorations dans l'Halloween, des citrouilles en tout cas. Fait qu'on va se promener un petit peu. On a passé beaucoup d'entrevues, on a été vraiment dans le concret la dernière journée. Fait que là, on va parler un petit peu plus de moi. Puis on va y aller dans des questions là, vraiment crunchy. Tu sais, je vais vous dire des affaires que j'ai jamais dit à la caméra. Fait que là, on est en route, et on s'en va au Starbucks. J'ai vraiment besoin de café. On va profiter du pumpkin spice latte pendant qu'il est là. Question numéro 1. Pourquoi avoir choisi la bannière Via Capital versus d'autres agences? Je vais commencer avec celle-là parce que je voulais revenir sur l'entrevue que j'ai eue avec Luc la semaine dernière. Il est super, Luc. Puis, tu sais, la raison pour laquelle j'ai choisi Via Capital, c'est exactement pour ça. Tu sais, il est tellement là, il est intelligent, il a de l'expérience, il a un certain âge. Puis, malgré ça, il est tellement allumé, il est d'actualité. Via Capital, c'est une bannière qui est vraiment ouverte sur les nouvelles technologies. Puis qui est à l'affût des nouvelles tendances. Fait que ça m'allume bien gros, en plus d'être un petit peu plus convivial, des valeurs familiales. On va parler des enfants plus tard. C'est la question que tout le monde veut entendre. Est-ce que tu voudrais des enfants? Écoute, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Fait que je vais finir par y répondre. À chaque fois que je vois ça, je soupire un petit peu parce que, tu sais, je me dis, bon, comment je peux expliquer ça? Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible. Pour moi, c'est important d'être mariée avant d'avoir des enfants. C'est pas une question de religion. C'est beaucoup plus une question d'engagement envers l'autre personne. Pour moi, c'est important de savoir que la personne avec qui je suis, le père de mes enfants, veut passer le reste de sa vie avec moi. Je veux être sûre de faire ça avec la bonne personne. Souvent, tu sais, on entend, on va avoir des enfants, puis ça va régler un couple. Les gens pensent que ça peut régler des situations avec des enfants. Moi, c'est tout le contraire. Pour moi, le plus gros engagement à vie, c'est d'avoir un enfant. Clairement.
Bon, une autre question. Est-ce que tu loues ton appartement en Floride? C'est pas un appartement, c'est un condo. Hey, on l'aime tellement le condo, puis c'est sûr que je loue pas ça. T'es malade. Non, non, c'est vraiment pas pour la location. On l'a acheté, on l'a choisi pour nous. C'est une gâterie, ça coûte cher, mais c'est une gâterie qu'on se paye pour notre plaisir personnel, Eric et moi. C'est pas un investissement. Next question. As-tu peur qu'un jour, les gens vendent seuls avec du proprio et ne prennent plus de courtier? Pas pantoute. Pour répondre rapidement à ça, là, les gens ont toujours vendu par eux-mêmes et ont toujours vendu avec des courtiers à même proportion. Avant que du proprio existe, les gens, c'est pas compliqué, ils utilisaient des sites comme Kijiji ou mettaient une pancarte Canadian Tire. Ah, ils vendaient dans le journal. Il y a tout le temps eu des ventes par propriétaire, puis il y a tout le temps eu beaucoup plus de ventes par courtier. Les ratios sont encore les mêmes, juste pour vous dire. Puis ça va être encore la même chose dans 10 ans et sûrement dans 20 ans, à mon avis. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que c'est les compagnies comme du proprio qui vont peut-être avoir plus de misère. Parce que si t'es une personne et que tu veux vendre ta propriété toi-même, tu vas avoir plus d'outils facilitants pour le faire dans le futur qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, par exemple. Quelqu'un qui veut vendre tout seul va peut-être plus avoir à payer 2000$ du proprio pour le faire, va pouvoir le faire tout seul, gratuit, avec l'intelligence artificielle. On est arrivé au Starbucks. Et en me rendant, je vais vous lire une autre question. Si jamais ta business crash, te verrais-tu salarié? Si oui, tu ferais quoi? Ben premièrement, pour moi, c'est pas une option que ma business crache. Mettons là, qu'elle cracherait, là. Est-ce que je me verrais salarié? Définitivement pas. Puis je ferais quoi? Ben pour vrai, je peux même pas te répondre. Parce que j'ai jamais réfléchi à avoir un plan B. J'ai pas de plan B, j'ai pas de plan C, puis j'ai pas de plan Z. Fait que c'est pas une option que ça crache pas. Ça fait vraiment en sorte que je suis focus dans ma business à 100% tous les jours. Fait que j'ai mon Starbucks, j'en avais besoin. Fait que là, on s'en va à la ferme Cormier, à l'Assomption, pour aller chercher des citrouilles pour l'événement de vendredi. Je vais vous en parler un petit peu plus rendu là-bas. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que tu recherches comme qualité chez ton courtier hypothécaire? Je suis sûre que c'est un courtier hypothécaire qui m'a posé cette question. Puis, pour vrai, c'est pas une mauvaise façon d'approcher. Colin, je suis même curieuse d'aller voir c'est qui. Fait que... good shot. Mais bon, qu'est-ce que je recherche comme qualité chez un courtier hypothécaire? Pour vrai, c'est pas sa compétence, combien il sait que les taux sont actuellement, qu'il connaisse ses produits. Non, c'est le service client. Puis en tant que courtier immobilier, je me considère quasiment comme un client avec les courtiers hypothécaires qu'on réfère. On a besoin de savoir que le dossier est traité rapidement, qu'on a besoin d'avoir des retours d'appels rapides. Il faut que les clients aient des retours d'appels rapides. On a besoin de sentir que tu prends le dossier en charge. Tu sais, ça peut faire 30 ans que tu es courtier hypothécaire, tu connais tous tes produits par cœur, mais ça prend 3 jours de me rappeler. C'est sûr qu'on ne fera pas faire ensemble. Donc, prochaine question. C'est quoi le salaire moyen d'un courtier dans le Grand Montréal? Je vais juste mettre 2 choses au clair avant. Premièrement, il n'y a aucune statistique par rapport à ça, alors c'est vraiment une réponse basée sur mon opinion personnelle. Et deuxièmement, c'est parce que les chiffres que je vais vous dire, que je m'apprête à vous dire, sont quand même gros, OK? C'est important pour moi que vous compreniez qu'un salaire de courtier immobilier, le chiffre d'affaires d'un courtier immobilier, n'est pas du tout pareil que le même salaire qu'un employé ferait. Je donne des chiffres rapidement, là. Si tu fais 100 000 comme courtier immobilier, peut-être le tiers te reste dans les poches. Parce que moi, j'ai tout le temps calculé comme ça, là. Dans ce que tu fais, dans ton chiffre d'affaires, le tiers va en dépenses. Le tiers va en impôts. Puis le tiers, ben, reste dans tes poches. OK? Fait que gardez ça en tête quand je parle de chiffres, là, s'il vous plaît. Alors, pour revenir à la question, c'est quoi le salaire moyen d'un courtier dans le Grand Montréal? Encore une fois, j'ai pas la statistique, là. Mais je peux vous dire en moyenne, de ce que je sais de mon expérience, un courtier moyen va faire une 15-20 de transactions par année. OK? En moyenne. Puis dans le Grand Montréal, les commissions vont varier, un côté de transaction là, va être environ 8 000 $, on va dire ça de même, à peu près. Plus en banlieue, Montréal, mettons que c'est 10. Fait que vous pouvez faire là, le 15-20 transactions fois 8-10 000 $. C'est ça la réponse. Alors, vu qu'on parle d'argent, je vais y aller avec cette question-là. Quel a été ton chiffre d'affaires, ta première année et maintenant? Je vais pas parler en chiffre d'affaires, je vais parler en transactions. Puis avec ce que je vous ai dit avant, vous pouvez faire le calcul. Hein? Fait que ma première année, j'ai fait 24 ventes. Hey, pour une première année, je suis sur la coche en tabarouette, moi, vous dire. Pour rester. En tout cas, je suis super fière de moi. Chaque fois que j'en parle, je suis comme, ouh, j'étais bonne. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est plus complexe que ça à cause que j'ai une équipe maintenant. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout l'argent va pas dans mes poches. On s'entend, là. Je suis pas toute seule là-dedans, là. Mais mon équipe vise à faire au-dessus de 300 transactions cette année. On va faire au-dessus de 300 transactions par année, là. On n'est pas à presque une par jour, là, en moyenne. Fait que vous pouvez encore faire le calcul. Fait que là, on vient d'arriver à la ferme Cormier à l'Assomption pour acheter des citrouilles parce que vendredi, on fait un événement de distribution de bonbons puis on veut décorer ça pour l'Halloween. Puis là, je vois des vraiment belles citrouilles devant moi puis
C'est con, hein, mais une citrouille, plus que c'est laid, ben plus que c'est beau. Regardez comment elles sont belles. Elles sont toutes difformes. C'est toute la rue principale de l'Assomption est fermée parce qu'on fait une grosse distribution de bonbons. Écoute, il y a une maison hantée, les pompiers sont là, donnent des bonbons à tout le monde, tous les commerçants donnent des bonbons. Puis nous, notre bureau n'est pas sur la rue principale. On a décidé de s'installer un stand pour augmenter notre visibilité, rencontrer les citoyens de l'Assomption, puis donner des bonbons à tout le monde, t'sais. C'est juste que là, vu qu'on n'a pas de boutique, il faut improviser un petit peu notre setup, t'sais. Fait que là, c'est pour ça que je vais acheter du foin, je vais acheter des citrouilles en masse pour qu'on ait vraiment un beau décor, tout bien organisé, de citrouilles. Fait que là, j'ai tout fait ma sélection, puis les propriétaires sont venus voir. Écoute, je suis arrivée ici, c'était pas compliqué. Elle me reconnaissait l'année passée, parce que en tout cas, c'est pas la première fois que je viens. Elle m'a offert de m'aider à trouver des citrouilles. On a fait vraiment des beaux arrangements. Elle m'a même offert de venir me les porter pour demain, là, pour l'événement. Fait que ils sont bien fins. Ils s'occupent, donnent un bon service à la clientèle, ils s'occupent bien de leur monde. C'est pour ça qu'on vient tout le temps les voir à chaque année. Next question. Est-il possible de commencer à investir en immobilier dans le début de la vingtaine? Je vais y aller straight. Non! Si tu penses pas que tu as les capacités pour le faire, OK? Bon, investir en immobilier, il faut quand même être prudent, il faut être diligent, il faut être au courant du marché. Début vingtaine, souvent, tu n'es pas rendu là. Je suis très générale, c'est sûr. Ça se peut que tu sois une exception à la règle et que tu sois rendu là. Si tu penses que tu es prêt, tu as les ressources nécessaires, tu as les connaissances nécessaires et que tu as les sous pour pas te mettre dans le caca, on va dire ça comme ça, dans la merde, alors oui, vas-y. Si tu es prêt, là, quand tu es prêt à investir en immobilier, vas-y, all in, c'est sûr. Mais je suis d'opinion que dans le début vingtaine, souvent, c'est pas le cas que tu es prêt. C'est pour ça que ma réponse a été non. Dernière question. Toutes les deals que tu as trouvés, est-ce que c'était sur Centris? La réponse est oui. Toutes mes achats ont été sur Centris sans exception. Alors, c'est pas vrai qu'on peut pas trouver des bonnes opportunités sur Internet. Il y en a plein. Faites des offres. On est dimanche, on est au métro Bel Air à Joliette parce qu'on fait notre événement annuel de distribution de citrouilles. On est à la sortie de l'épicerie, on donne des bonbons, on donne des citrouilles, puis on fait aussi un tirage, on fait tirer deux. On fait tirer deux cartes cadeaux de 200$ au métro. Donc, on accueille les gens à la sortie. On fait ça depuis plusieurs années maintenant. Pourquoi qu'on fait ça? Fait qu'en fait, c'est parce qu'on donne au suivant. On veut récompenser les familles. On veut voir leur sourire. C'est des beaux événements. On veut connecter avec notre communauté. Parce que, tu sais, notre job, c'est de créer des liens avec des gens. C'est une job ultra humaine. T'sais, c'est un gros processus dans leur vie. On rentre dans leur intimité quand on les aide à vendre des maisons. Puis, tu sais, eux, ils nous voient juste sur des pancartes, sur des panneaux, sur les réseaux sociaux. T'sais, ils nous voient, mais ils ne nous voient pas physiquement. C'est l'occasion d'être là, de se montrer, ben, de leur faire un sourire. Pour venir renchérir, ça montre notre côté humain, finalement, parce que le monde, justement, comme que Martine l'a dit, ils nous voient juste sur les pancartes. Fait que quand ils nous voient dans des occasions de même, ils disent « Ah, ben c'est du monde bien normal. » Ils existent, eux! Ils existent, exactement! Non, on est tout le temps sur un écran ou sur une affiche. Ça montre qu'on est facile d'approche, finalement. Ben oui, puis tu sais, on est sympathique, on aime partager. On est des personnes super généreuses. Exact. Fait que je pense que ça se transmet de notre événement de citrouille aussi, du camion de déménagement qu'on offre gratuitement à tous nos clients. C'est sûr que, oui, on veut donner, mais on veut gagner de la visibilité, hein? T'sais, on fait pas ça pour rien non plus. Puis Charles, qui est en arrière de la caméra, vient de me demander, genre, depuis quand qu'on fait ça? Fait que c'est une super bonne question. T'sais, on n'a pas fait ça depuis le début, là. Tu peux pas commencer à dire, hey, moi, je commence à être courtier immobilier, let's go, on se prend un stand demain, on donne des citrouilles à tout le monde, merci, bonsoir. Il y a une étape à tout. T'sais, la première étape, c'est de travailler fort à aller chercher certains clients, t'sais, à faire un petit peu de sollicitation, prospection, commencer à
un peu faire ton nom dans la place. Puis aussitôt que ton nom est un petit peu fait, que les gens commencent peut-être à comprendre un petit peu t'es qui, que t'entends des échos de « Ah oui, c'est toi que j'ai vu à telle place, ah oui, c'est toi que j'ai vu là », quand tu commences à ressentir ça, là tu peux passer à l'étape suivante de dire « Ok, les gens commencent à savoir un peu je suis qui, si je m'en vais me planter devant le métro, ils vont pas se dire « C'est ça, cette personne-là », ils vont comprendre que t'es courtier immobilier, puis ils vont être capables de faire un lien, qu'ils t'ont déjà vu sur telle rue, ils ont déjà vu ta pancarte-là ou tes publicités à un endroit. Bien, c'est sûr qu'un setup de même, tu commences déjà pas mal dans le trou. C'est plus un complément. Ça va venir aider, mais c'est pas ça qui va venir t'amener de la business directement. Ouais. Fait que c'est sûr que ça, c'est un mauvais investissement à faire dès le départ. Fait que tu sais, on vous a parlé un petit peu du point négatif, puis de pas commencer par ça si vous n'êtes pas rendu là. Mais tu sais, nous, on aime ça, là. On est rendu là, pour nous, ça vaut la peine. Puis on est vraiment content d'être ici aujourd'hui, puis de donner des citrouilles aux gens de Joliette. Puis pour vrai, ça amène des résultats. Là. Nous, on l'entend, là. Les gens, ils trouvent que c'est super qu'on soit généreux, qu'on donne au monde, puis ça nous amène de la business. Puis c'est même, honnêtement, c'est même pas un travail. C'est, pour nous, c'est de l'amusement, là, faire ça. Là. Fait que ça vient joindre l'utile à l'agréable. Fait que comme vous avez pu voir, le format des vlogs a un petit peu changé. Avant, j'en faisais un à chaque semaine. Maintenant, on en fait un par mois, mais un plus long par mois de plusieurs événements, dans le fond, qui ont eu lieu au courant du dernier mois. Je suis curieuse de savoir si vous aimez ça, si vous avez des idées aussi, s'il y a des choses que vous voulez que je parle dans mon prochain vlog, commentez en dessous du vlog et likez et abonnez-vous à ma chaîne. Yes, sir!